Messieurs et dames, bel bonjour. Nous comptons retrouver les autres pour un nouveau numéro à Parole la vie. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver encore une fois pour un rendez-vous de Parole la vie. Et aujourd'hui, nous allons parler mariage. Vous me direz qu'on en a déjà discuté, il y en a qui... 2 ou 3 ans, certes. Mais aujourd'hui, on va s'attarder sur des mariages qui ne durent pas. Comment pouvez-vous expliquer qu'un mariage dure 1 an, des fois 6 mois, mais 1 an? Donc, tandis que les gens, comme on dit en créole, sont en tchèque-coco, tout va bien. Des fois, ils sont ensemble depuis 10, 15, 16 ans. Et pourtant, quand ils décident de se marier, eh ben, ça ne dure pas. Et pourtant, on dit que, voilà, qu'il faut vivre ensemble, il faut essayer, il faut voir, connaître le caractère de quelqu'un. Mais pourquoi on n'a pas pu voir que quelque chose n'allait pas pendant toutes ces années? Donc, nous allons discuter de ça cet après-midi. Je vous rappelle que l'émission est en direct et de chez vous. Vous pouvez nous contacter et nous faire part de votre avis, de votre expérience. Est-ce que vous l'avez vécu? Est-ce que vous connaissez des personnes qui l'ont vécu? Ou simplement, vous nous donnez votre point de vue, votre vision du mariage. Donc, nous avons 3 invités avec nous cet après-midi. Je dirais plutôt 2, puisque Olivier, on ne le présente plus, c'est le chroniqueur de l'émission. Donc, Madame Goma, je vous laisse le soin de vous présenter. Bonjour, je suis donc Madame Jocelyne Goma, pasteur et aussi responsable et fondatrice de beaucoup d'organisations culturelles, des organisations comme le Caribbean Gospel Festival qu'on connaît ici à la Martinique, le Gospel Festival de Paris et puis d'autres organisations sur le plan de l'action sociale et humanitaire, le CRC Action sociale et humanitaire et beaucoup d'autres activités. D'accord. Miguel Alcan. Tu n'es plus nouveau, puisque tu as déjà fait une émission avec nous, mais je te laisse le soin de te présenter quand même. Oui, Alcan Miguel, vice-président de l'Action sociale humanitaire, qui intervient un peu partout dans les rues, par rapport à toutes ces personnes qui ont fait naufrage par rapport à leur vie, à l'aide humanitaire aussi, et évangéliste de ce quoi, qui agit par la parole, parce que nous sommes un pays de croyants, et qui vient en aide à beaucoup de personnes dans le domaine professionnel, social, familial, etc. Toujours disponible pour Parole la vie. Olivier? Je souhaite bonjour à tous les téléspectateurs de Zouk TV. Sujet... que tu as déjà commencé. Entre guillemets chaud. Oui, puisqu'on a déjà commencé avant même le début de l'émission. Et j'espère que les téléspectateurs vont appeler pour donner leur avis sur un sujet quand même un peu délicat. On pourrait peut-être, à la rigueur, si Dieu le souhaite, sauver 2 ou 3 qui sont en perdition. Tout de suite, comme d'habitude, nous allons passer au micro-trottoir pour voir ce que la population pense de ce thème et on revient sur le plateau après. À tout de suite. Continue, je reviens. Problème technique, c'est les aléas du direct. Donc, je rappelle qu'aujourd'hui, nous allons parler de mariage. Pas de mariage, pas les exemples qu'on a de tous les jours, pas de mariage, des contes de fées où on nous dit ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ça aussi, c'est un mythe parfois. Donc, on va parler des mariages qui ne durent pas parce qu'il faut en parler, il faut savoir pourquoi. Il faut pouvoir aussi prendre des conseils parce que des fois, ça, c'est sur un simple malentendu, juste parce qu'on se réveille et puis bon, voilà, on ne supporte plus l'autre. Ou bien quelqu'un d'autre s'est introduit dans le mariage et on ne sait pas comment réagir face à cela. Ça aussi, c'est des expériences qui sont assez pénibles à vivre. Et je trouve qu'il y a quand même une certaine facilité maintenant d'avoir accès au divorce. Et donc voilà, est-ce que ce n'est pas tout ce côté frivole de la vie, évidemment, qui agit. Donc nous allons passer au micro-trottoir. À tout de suite. Que ça dépend des personnes, que ça dépend des gens qui s'aiment entre eux ou qui s'aiment plus. Ça peut être, il peut y avoir des raisons bien précises. Après, ça peut être aussi juste parce que on peut plus s'entendre, on s'aime mais on s'entend plus. Enfin, il y a plein de raisons. Ça dépend des personnes en fait. Il y a plusieurs. Si un mariage ne tient pas, ça veut dire que si l'homme n'est pas fidèle ou bien la femme n'est pas fidèle aussi. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres raisons? Que si l'un comprend l'autre, ça peut s'arranger entre eux. Là, il y a un problème, c'est parce qu'un mariage qui ne dit pas plus qu'un an, c'est parce qu'ils ne sont pas amis. Ils sont juste mariés, mais ils ne sont pas amis. C'est-à-dire que
il y a trois mots il faut marier ensemble. C'est ami, confidente et amour. S'il y a amour, il n'y a pas de confidente, ça ne dure pas. S'il y a confidente, il n'y a pas d'ami, ça ne dure pas. S'il y a ami et confidente, amour, ça dure pour l'éternité. C'est-à-dire que les femmes choisissent des mecs en fonction de la couleur d'un geste. Mais nous, il y a certains mecs qui choisissent des femmes pour la couleur, tout pour la forme. Mais il y a des mecs qui choisissent des femmes pour ce qu'elle est. Donc, il faut faire le bon choix. Il faut vite choisir, c'est Chabin, c'est un Black, c'est un Saint-Louis, c'est un Haïtien. Il faut arrêter avec ça. Choisir quelqu'un qui peut avancer avec toi. Il ne faut pas choisir pour une coup de tête pour dire « je suis amoureux ». Tu es amoureux de quoi? Une seule fois qu'on est amoureux dans la vie. Après les autres, tu te confesses par habitude. Hein? Retour sur le plateau, assez rapidement d'ailleurs. Donc, vous avez entendu ces quelques réactions. On parle, on donne comme cause l'infidélité, la compréhension, on dit que c'est le caractère des uns et des autres. On parle d'amitié, d'amour, de confiance. Je pense que quand il parle de confidence, je pense qu'il peut parler plus de confiance. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense tout d'abord que pour la clarté du débat qu'on va mener, il faut quand même définir qu'est-ce que c'est que le mariage. Parce que c'est vrai qu'on pourrait mettre tout et n'importe quoi, surtout dans notre temps, où le mariage a été ouvert, si je puis dire, à tout vent. On appelle ça mariage pour tous, donc ça veut tout dire. Je pense franchement que nous devons nous accorder sur la base de ce qu'est le mariage. Et effectivement, on parlait juste avant même l'introduction de cette émission, le mariage, c'est une institution divine. Il faut savoir que le mariage, suite à l'institution que Dieu lui-même a établie, a été, puisque le droit a été inspiré dans toutes les nations à partir de la Bible, donc il faut bien comprendre qu'à la base, c'est véritablement l'institution de Dieu, c'est-à-dire que Dieu lui-même, dès la création, a déclaré à l'homme, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Dieu est un Dieu d'alliance. Et Dieu ne veut pas que l'homme, l'être humain, fasse comme les animaux. Les animaux ont commerce sexuel les uns entre les autres, voilà, pour se reproduire. Mais l'homme n'est pas un animal. L'homme, il a été créé à l'image de Dieu et Dieu veut l'alliance pour l'homme. Donc, Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est un engagement, une alliance, un engagement entre les deux. L'homme s'attache, la femme accepte aussi cet attachement et rentre dans cet attachement et les deux deviennent une seule chair. Donc, on part d'un homme et d'une femme qui deviennent une entité, un couple, dans un engagement qui est opposable vis-à-vis des hommes, des autres, et vis-à-vis évidemment de Dieu, où dans dans cet engagement, eh bien, on a décidé de marcher ensemble et de devenir un. Donc, on n'est plus deux personnes, on est maintenant une nouvelle entité. Voilà. Et comme je disais, quand il parle, comme quand il donne cette cause d'infidélité, de compréhension, d'amour, etc., c'est-à-dire qu'on cherche des milliers de causes, parce qu'il y a certains qui disent qu'une fois que la femme est installée dans son mariage, qu'elle se sent tellement en confiance qu'elle se laisse aller, que voilà quoi, c'est-à-dire que c'est pas avant on avait rendez-vous, je me préparais, je me fais belle, etc. On passe me chercher. Voilà que il y a ça. Il y en a qui disent que le laisser aller déjà une fois qu'on est marié. Il y a le aussi. Il y en a qui disent que c'est aussi ce sentiment de que l'autre appartient. Donc on devient peut-être plus jaloux, plus possessif, un peu plus méfiant, à fouiller, etc. Mais les causes sont multiples quand on écoute les certaines personnes. Les solutions. On a l'impression que les solutions ne sont pas aussi ne sont pas aussi multiples que les causes. Pourquoi? Alors les causes, elles peuvent être multiples en effet. De toutes les façons, nous sommes dans un temps où de plus en plus les mariages ne tiennent pas. Ça, il faut le réaliser, les mariages ne tiennent pas, on le voit statistiquement, le divorce augmente. Et puis on peut constater aussi que les gens ne croient plus dans le mariage, grand M, ou l'amour, grand A. Les gens ne se marient plus autant qu'avant. Les gens ne se marient plus autant qu'avant, donc les gens peuvent se mettre ensemble, les gens, voilà. Mais quant au mariage, là, ça devient quelque chose parfois d'inaccessible, où les gens regardent aux grands-parents, aux parents, en se disant, autrefois, les gens se mariaient, mais voilà, dans notre temps. Et c'est vrai que les causes sont multiples. Et la première des causes pour lesquelles, moi, dans ce que je constate, à la
foi dans l'évolution de la société et par rapport à l'enseignement de la parole de Dieu, c'est que premièrement, les gens ne font plus confiance dans le mariage parce que ce qui est l'essence même du mariage est retiré. Le mariage permet la relation conjugale. C'est-à-dire la relation entre un homme et une femme qui est à la fois, tout à l'heure on a entendu ce monsieur parler d'amitié, de confidence et d'amour. En fait, l'amitié, la confidence, la communion entre un homme et une femme, mais jusqu'au rapport sexuel. Donc il fait qu'il y a une intimité qui différencie de toutes les autres relations qu'on peut avoir, l'amitié, la camaraderie, etc. Mais dans la relation conjugale, elle est permise dans le mariage, le rapport sexuel. Mais là, aujourd'hui, ben, ce rapport sexuel, il se fait dans n'importe quelle condition. Qu'on soit ami, camarade, connaissance d'un soir, le rapport sexuel a lieu hors du cadre du mariage. Et donc, tout de suite, cela frappe un coup au mariage. Parce que les gens peuvent avoir quelque chose qui devrait être réservé au cadre du mariage, ils l'ont hors. C'est la fornication. Donc ça, c'est déjà un point qui fait que le mariage déjà perd de sa valeur, perd de sa superbe en fait, parce que les gens ne voient plus que le mariage est tellement quelque chose d'extraordinaire, puisqu'on peut l'avoir dans une vie de tous les jours, voilà, ces rapports sexuels-là, on peut les avoir dans une vie de tous les jours. Donc déjà il y a ça, et donc ça pose déjà des cas. Premièrement, ça pose le cas de l'assinance, bon, avant le mariage. C'est pas un peu réduit le mariage à l'échange sexuel? Non, c'est pas réduire, mais c'est un point important parce que c'est ce qui fait quand même que on peut distinguer un couple de n'importe quelle autre relation. C'est l'aspect conjugal. On est d'accord. Voilà, parce que l'aspect sexuel est un aspect très important dans la vie de couple. C'est l'aspect de la vie de couple. Nous sommes d'accord, mais ce n'est pas que. Ce n'est pas réducteur, mais c'est un point important. C'est ce qui fait la différence entre toute autre relation. Hein, on peut dire parfois que le mariage, on va dire par exemple, le mariage n'est pas consommé, hein, par exemple, parce qu'il n'y a pas eu de rapport sexuel. Donc ce point-là est un point qui permet de faire rentrer le couple dans cette relation conjugale. On est d'accord. Donc voilà. Donc cet aspect-là, lorsque justement les gens ont des rapports hors du cadre du mariage, cela diminue justement la force du mariage. Déjà ça, il faut le savoir. Dans la société, dans la conscience collective, déjà. Et les mariages ne tiennent pas, effectivement, parce que maintenant, y compris dans leur vie conjugale, quand ils s'engagent, ben, quand on a pris l'habitude de marcher n'importe comment déjà sans être marié, qu'est-ce qui va vous donner des freins et des cadres quand vous l'êtes? La conscience. Ben oui, mais il faut l'avoir avant. Voyez, et c'est ça le problème, c'est que beaucoup de gens rentrent dans le mariage, mais je rencontre beaucoup de cas de personnes, et vous allez voir, ben, une femme peut se dire, ben, tel homme est marié, et après, c'est lui qu'elle veut avoir, point. Et elle ne se dit pas, ben, cet homme est marié, j'y touche pas. Voyez, et la personne qui est dans son mariage, cet homme en question qui est marié, en même temps, quand il s'est engagé dans le mariage, est-ce qu'il a choisi cette femme en renonçant à toutes les autres? Parce que quand on fait un choix, ça veut dire qu'on renonce aux autres. Mais bien souvent, beaucoup de gens se marient, mais ne renoncent pas ni aux autres hommes ou ni aux autres femmes. Donc ça crée une pression lorsqu'on rentre dans le mariage maintenant. Ça crée une pression parce qu'il y a ce problème-là de la fidélité. Le mariage est un engagement de fidélité. Mais quand déjà on n'a pas renoncé aux autres femmes, aux autres hommes, on met déjà le mariage dans un suspense. Est-ce que l'on sera fidèle demain? Olivier, toi qui es jeune marié, je pense que tu as fait l'engagement quand même de renoncer à toutes les autres pour te consacrer à... Tu rigoles déjà. Pour renoncer à toutes les autres pour consacrer à une, est-ce que c'était quelque chose de réfléchi? Est-ce que tu t'es dit, comme beaucoup, moi, pas qu'à mailler pour divorcer? Est-ce que c'est judicieux de penser déjà au divorce quand tu vas te marier? Je pense que c'est dans l'esprit de tout le monde. Hein. Je m'avance un peu pour elle, je pense même ma femme, hein, puisque il y a certaines précautions que l'on prend avant de se marier. Certaines personnes vont se dire, mais si ça ne va pas, donc du coup, je préfère civilement, hein, le mariage civil, je préfère me marier sous contrat que la communauté des biens. On sait pourquoi. Hein. Si jamais ça ne va pas pour le partage des biens, il y aura complications après. Donc je pense que même avant de se marier, c'est dans l'esprit de tout un chacun. On y pense, on peut dire ce qu'on veut, on y pense un peu. Après, me concernant, je dirais que
Je me suis marié, j'avais la trentaine passée. Donc, je dirais que, entre guillemets, hein, j'ai bien vécu. Donc, j'étais arrivé à un âge où... Tu avais déjà tout vu. Une certaine maturité, mm-hmm. entre autres sexuelle aussi. Et je me suis dit, bon, ben, j'aime cette personne-là. Oui, donc je m'engage avec. Et à ce titre, je pense, enfin, je le souhaite au plus profond de moi, renoncer aux autres. Puisque après, je dis, je ne sais pas si j'aurais pu tenir un engagement pareil plus jeune. Je me suis marié à la trentaine passée, donc je pense que là, ayant vécu et tout, ça peut aider. Est-ce qu'il y a aussi l'influence de la société ? Cela dit, oui. Il y a l'influence de la société. Je pense que... et pour réagir un petit peu sur ce que vous disiez ensuite, je pense qu'on a une... ici, en Martinique, enfin aux Antilles, le poids de la religion est quand même très fort. Est quand même fort, et je m'explique. C'est-à-dire que deux personnes, deux jeunes sont ensemble... franchissent le pas de la relation sexuelle, la jeune fille tombe enceinte, qu'est-ce que les parents décident ? On les marie. Moi, je pense que là aussi, c'est faire perdre au mariage de sa valeur. Mais c'est vrai que les parents réagissaient comme ça avant, parce que deux personnes non mariées ont un enfant, alors il faut que les choses rentrent dans l'ordre tout de suite... mais ne prennent pas en compte la véritable union de ces deux personnes-là. Est-ce que ces deux personnes ont décidé d'être ensemble ? Est-ce qu'elles s'aiment véritablement ? Parce que comme on a dit, ça peut être l'objet, la rencontre d'un soir ou d'un moment ou d'une période, mais sans véritable sentiment, sans véritable engagement. Mais c'est vrai qu'auparavant, les parents, ils mariaient. Dès qu'il y avait un échange et que la jeune fille tombait enceinte. Donc, il fallait marier. Et il y a des cas où ça tenait, mais bien souvent, ça ne tenait pas. Là aussi, ce sont des raisons pour des cas de divorce. Oui, sauf qu'avant, les divorces étaient mal vus aussi. Donc, tu fermais ta bouche, tu ne disais rien, tu restais dans ton mariage, tu n'étais pas heureux. Et tu prenais ton mal en patience. Et tu prenais ton mal en patience. Voilà. C'est vrai que la notion du mariage a évolué. Bon, c'est vrai qu'autrefois, le mariage était une convention sociale basée effectivement sur tout ce que la société avait reçu de l'investissement religieux, mais c'était une convention sociale. Et les gens restaient dans le mariage par le sens du devoir. Cela a quand même été bénéfique parce que ça a posé quand même un socle dans la société. Mais aujourd'hui, bon, on est plutôt dans... chacun se projette dans le mariage en se disant, voilà, je vais me marier par amour, pas par arrangement, pas par convention, pas pour plaire à mes parents, pas pour plaire à un tel ou pas pour plaire à... voilà. Mais tout faire pour se marier par amour. En tout cas, c'est ce que les gens souhaitent. Mais en plus, en général, social, c'est aussi se conformer à un ensemble, à un cadre. C'est ça, c'est la convention. C'est-à-dire que j'ai l'impression que, je me rappelle à la fac, il y a un prof, un psychosociologue qui nous dit « la religion empêche de penser ». Alors, non mais je m'explique. Et évidemment, les gens qui étaient très investis en religion ont tout de suite réagi. Mais je comprends ce qu'il dit. En fait, il faut bien analyser. C'est-à-dire que souvent, les gens qui, fervents pratiquants, réagissent juste par par réflexe ou par habitude, comme nos parents faisaient, on fait. Mais est-ce qu'ils analysent vraiment qu'ils font ? C'est la convention. Est-ce qu'ils analysent vraiment la portée de leurs gestes ? C'est ça. Mais c'est pour ça qu'ils disaient que la religion empêche de penser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de s'engager comme ça, ou encore de se marier, mais il faut que l'on prenne véritablement la portée de nos actes. C'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, deux jeunes qui s'engagent, qui vont se marier, est-ce qu'ils savent pourquoi ils s'engagent ? Pourquoi se marient-ils ? Et comment faire face aux premières difficultés ? Et à quoi on s'engage vraiment là ? Voilà. Alors,
Donc, juste pour revenir à ça, c'est vrai que donc, cette convention sociale, qui est née effectivement de l'apport de la religion dans la société, a fait que beaucoup de gens se sont mariés par devoir. Mais aujourd'hui, les gens se marient plus par amour, c'est-à-dire qu'ils cherchent le grand amour. Mais ils n'ont peut-être pas toutes les clés, effectivement, et c'est pour ça qu'une émission comme ça est intéressante, parce qu'il faut pouvoir aussi donner cette connaissance aux gens. Qu'est-ce que c'est que le mariage? C'est un engagement, c'est pas simplement la fête, la belle fête, la belle robe, la cérémonie, le fait d'être, on va dire, la star d'un soir, etc. Ça n'a rien à voir. Le mariage, c'est vraiment un engagement d'un homme vis-à-vis d'une femme vis-à-vis d'un homme, et c'est pour la vie. C'est véritablement qu'ensemble, on devienne une nouvelle cellule. On ne dira plus monsieur tout seul ou mademoiselle, on dira monsieur et madame. Lorsqu'on doit voir monsieur, on doit penser à madame, même si elle n'est pas en face. Et lorsqu'on voit madame, on doit penser à son mari derrière. Donc c'est toujours ce côté où maintenant les deux deviennent un. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde devrait et doit respecter. Et quand on parle de mariage, nous parlons vraiment d'un engagement. Et cet engagement, ben, derrière, il y a des principes. Donc l'engagement, et souvent, on veut mettre les sentiments en avant. Hein? Et parfois, donc, tout à l'heure, vous disiez, ben oui, tout d'un coup, je ne le supporte plus ou je ne la supporte plus. Mais le sentiment varie. Si les gens se marient sur la base d'un sentiment, le sentiment varie en fonction de beaucoup de choses. Comme on le dit, hein, faute de bois, le feu s'éteint. Ça veut dire que si on ne ranime pas, on ne ravive pas la flamme, il y a beaucoup de choses qui vont faire que le sentiment va varier. Bon, le corps de la femme change, le corps du mari change, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et beaucoup de choses peuvent faire que le sentiment varie, mais il y a des principes qui doivent fortifier l'engagement. Et l'engagement, c'est véritablement justement le fait d'être fidèle, le principe de la fidélité. Ce principe-là doit véritablement placer dans l'esprit de celui qui se marie ou dans celle qui se marie des sens interdits à ne pas franchir, des principes que l'on établit dans le quotidien qui font que le mariage est bien, comment dire, cadré. Ben, si effectivement vous êtes dans cette fidélité, vous n'allez pas développer des camaraderies ou des amitiés qui vont nuire au couple. Des habitudes où j'ai mon portable, je suis dans mon portable, mon mari, ma femme ne peut pas savoir ce qui se passe avec mon portable. Donc cela nuit au couple. Donc il y a des principes, des choses à pratiquer dans le mariage qui vont faire que la fidélité va être renforcée. Cette fidélité, ça va passer par le fait d'accepter des amitiés qui sont les amitiés du couple et non pas d'un ou de l'autre. Il y a beaucoup de choses comme cela. Et quand les gens ne sont pas au fait de cette connaissance-là, ils vont ouvrir la porte à certaines choses. Vous voyez, par exemple, voilà, vous êtes, vous travaillez, vous avez votre ligne de conduite, vous êtes marié, et puis vous ouvrez la porte à certaines choses avec des collègues, avec des amis, et paf, l'adultère est rentré. Vous voyez, donc ce sont des choses, ça nuit au couple. Et comment un couple comme ça peut tenir? Ben, l'engagement du mariage, c'est la fidélité. Ben, il faut aussi avoir le pardon. C'est-à-dire, est-ce que l'on peut recourir à pardonner l'autre si l'autre déchoit de son engagement dans la fidélité? Est-ce qu'on peut pardonner pour tenir dans notre engagement? Vous voyez, c'est tout ça. Mm-hmm. Et ce sont ces principes-là que beaucoup de gens, lorsqu'ils rentrent dans le mariage, ne connaissent pas. On ne leur a pas dit, ils ne sont pas au courant, ils n'ont pas cherché aussi cette connaissance. Et du coup, ben, ça fait que lorsqu'on rentre dans le mariage, on fait comme on peut. Miguel ne sait pas. On fait comme on peut. Je vais terminer. On fait comme on peut, on fait comme on veut, on fait comme on sent. Et ça, ça nuit au mariage. Enfin, juste pour dire que oui et non, parce que maintenant, je ne sais pas quelle est votre obédience religieuse, hein, mais maintenant, il y a quand même des réunions de préparation au mariage. Mais est-ce que tout est dit? Et on aborde quand même des sujets comme ça. Et pas seulement... Je ne peux pas parler pour tous les cadres. Moi, je ne me considère pas dans une obédience religieuse parce que je me considère dans une relation avec Dieu. Et le ministère dans lequel je suis s'intitule le Centre du Réveil Chrétien. Donc nous nous adressons à tous les croyants chrétiens qui veulent véritablement marcher selon les principes de Dieu. Et dans notre ministère, nous enseignons justement ces choses que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire les principes du mariage pour que les couples tiennent. Oui. Et cela porte son fruit. Après, je veux dire que, je ne sais pas si toutes les religions le font, mais
il y en a qui le font, qui préparent au mariage. Maintenant, il ne s'agit pas de dire oui, on est d'accord, on veut se marier, et après, mariage tout de suite, quoi. Il y a quand même des réunions de préparation au mariage. Mais ce n'est pas une réunion de préparation qui fait... Enfin, des rencontres, si vous voulez. Oui, oui, mais c'est pas, ça ne se passe pas dans une rencontre seulement. On peut vous dire des choses, mais est-ce que vous le mettez en pratique ? Est-ce que derrière, il y a un suivi ? Est-ce qu'on y croit vraiment ? Et est-ce qu'on veille ? Parce que dans le quotidien, vous savez, au début, quand, dans le, en général... Presque envie de vous dire, oui, est-ce qu'on met en pratique, mais pareil pour la parole de Dieu. Mais c'est tout. On peut se rendre à l'église ou au temple... Recevoir la parole de Dieu, une fois sorti de l'église ou du temple, on ne la met pas en pratique tous les jours. C'est bien ce que je suis en train de vous dire. Il y a plein de personnes qui font ça. Bien sûr. Et c'est là que lorsqu'on ne met pas en pratique les principes, on se retrouve justement à tomber sous le coup de certaines choses. Après, vous dites, mais comment ça m'est arrivé ? C'est arrivé ainsi, parce qu'on n'a pas mis en pratique. Donc, lorsque vous regardez la plupart des gens qu'on va recevoir, voilà, on veut se marier, etc., vous allez les prendre en entretien, faire un suivi jusqu'à leur mariage. Mais une fois que les gens sont rentrés dans leur mariage, quel est sur le coup les choix qu'ils vont opérer ? Chacun est responsable. Chacun est responsable face à la parole de Dieu de ses propres choix. Et en fonction de ce que vous avez entendu, ce que vous avez entendu, c'est une perche qui vous a été tendue, mais vous avez le choix de la prendre ou de la lâcher. Donc c'est à vous de vous décider pour observer ces principes et d'en bénéficier pleinement. Quand Dieu parle au couple, par exemple, de la fidélité, et quand on parle de la fidélité, c'est dans tous les aspects, ça veut dire la fidélité dans l'engagement, y compris sur l'engagement conjugal, mais aussi, par exemple, lorsque vous allez avoir un mari qui va s'adonner à l'alcool, par exemple, ou qui va s'adonner à la drogue, cela va nuire au couple, cela va nuire à la sécurité même du foyer. Vous pouvez vous retrouver avec un mari qui devient violent parce qu'il rentre dans une transe après la drogue ou après l'alcool et qui peut véritablement nuire à la femme qu'il aime. Vous voyez ? Donc tout ça, ce sont des choses qui sont une réalité. Bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Je réagis sur votre émission. Hein. Monsieur qui est là, oui. Je reste d'accord avec lui sur certaines choses. Certaines choses, oui. Ça fait 44 ans que je suis mariée. Wow. Ça fait 5 ans veuve. Mais je tiens à vous dire ce qu'il a dit. Mm-hmm. Quand on fait, parce qu'on fait des marchés, comment ça s'appelle? Avant le mariage, le prêtre fait des choses pour nous. On fait ce qu'il a dit tout à l'heure. Préparation mariage. On fait une préparation. Si on suit la préparation convenablement et on sait comprendre l'autre, le mariage, ça dure. Parce que moi, j'ai suivi une préparation et je suis catholique et je suis restée jusqu'à maintenant. J'ai 5 ans de veuve et ça fait 44 ans que moi, je suis mariée. Il faut savoir le vivre, mais je suis catholique. Je reste d'accord avec ce monsieur-là. Mais la seule chose que je ne suis pas d'accord avec le monsieur, il n'a pas son alliance dans son doigt. Parce que j'aurais été sa femme, il aurait mis l'alliance. Ah, vous êtes vigilante. Je suis très, très, très direct. Et je tiens à vous dire, j'ai 64 ans sur ma tête. J'ai des enfants à son âge. Certainement. Je cache une. Merci beaucoup. Mon second a 36 ans, le dernier a 35 ans. Oui. Alors, je réponds à la dame. Hein. Madame. Je réponds sur la télé. Alliance. Je reste d'accord avec vous. Il faut que je la fasse à grand. Mais l'alliance, ça monte dans votre doigt. Je vous écoute sur la télé. Vas-y. Sur la télé. Allez voir. Je me suis marié en 2009. Oui. Donc, nous sommes ça fera, 7 ans. Wow. Donc, en 7 ans, c'est vrai que depuis, j'ai pris des kilos. Et mon alliance, elle me serrait le doigt. Mon doigt était enflé. Mm-hmm. Donc là, il faut que je la fasse agrandir, madame, c'est tout. C'est comme un accord, j'espère, avec oui, madame. Oui, non, mais je ne peux pas la laisser. Et puis, mon doigt devient violet. Donc. Je crois que nous avons un autre appel. Bonsoir. Non. Oui, bonsoir. Il est parti. Parce que nous avons un autre appel, parce que la lumière, elle est toujours verte. Merci. Donc, Olivier, est-ce que... Oui, et puis c'est parce que, en fait, je pratique un art martial aussi. Donc, dès que je monte sur le tatami, je suis amené à l'enlever.
Et une fois, j'ai laissé sur le tatami, je suis parti. Mmh. Heureusement, je suis revenu le lendemain, elle était là, personne ne l'avait prise. Donc, c'est vrai que. Voilà. Enfin, tu sais où est-ce qu'elle est au moins? Si, si, ah, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et on ne te fait jamais la réflexion pour savoir où est. Ben, c'est vrai que je suis un petit peu laxiste sur ça pour la faire agrandir. Mmh. Je dis ça à chaque fois, mais je ne suis pas très souvent sur Fort-de-France, puisqu'on habite des trois îles. Donc, mais ce sera fait, ce sera fait. Hein. D'accord. Après, je ne suis pas contre quoi porter mon alliance, hein, parce que je ne, enfin, moi, je suis clair là-dessus. Je ne réduis pas mon mariage à une alliance, à un objet. C'est symbolique. Pour moi, l'alliance a une force symbolique. C'est tout. Point barre. D'accord. Miguel, on a un autre appel juste après l'appel. Oui, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. J'aimerais juste intervenir par rapport à la thématique de votre émission. Oui. Mais j'appelle pour vous féliciter, parce que ce n'est pas toujours évident hein, d'aborder la thématique du mariage, et surtout, merci, bien entendu, au regard de la parole de Dieu. Et ça, j'insiste là-dessus. Et c'est pour ça que je souscris entièrement à ce que dit hein, votre invité sur le plateau, cette charmante dame-là, dont je ne sais le nom, mais j'aimerais dire en tout cas que je souscris entièrement à ce qu'elle dit, parce qu'il s'agit d'analyser le mariage, non pas au regard des pratiques du monde, mais au regard de ce que dit la parole de Dieu. Donc tout ce qu'on pourrait dire, on peut épiloguer, on peut passer des heures et des heures à en débattre, le tout c'est de rester attaché à la parole de Dieu, qui est justement un véritable livre qui se laisse découvrir, une parole qui coule en vous, qui vous, dès lors vous donne cette assurance de ne jamais être dans l'erreur finalement. Et vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis heureuse de voir cette émission-là, parce que c'est extraordinaire ce qui est dit. Et même, parce qu'il ne s'agit pas aussi d'encenser la dame et de dire justement qu'à côté, le monsieur est un inculte ou quelque chose comme ça, pas du tout. Ou si tant est qu'il le soit, c'est au regard de la parole de Dieu. Donc il n'est pas inculte en termes d'intelligence, hein, mais on dit souvent que la parole de Dieu dit bien que par faute de connaissance, par faute d'instruction, le peuple se meurt. Donc ce n'est pas pour rien. Donc je vais m'arrêter là, et juste pour vous dire en tout cas que des thématiques comme celle-là sont extraordinaires, surtout quand elles portent sur la parole de Dieu. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci, c'est nous qui vous remercions. C'est grâce à des personnes comme vous, si ça fait, comme je disais à Olivier, hein, depuis 2011 quand même, que voilà, que nous avons cette émission. C'est grâce à des personnes comme vous, en fait, qui nous encouragez tous les jours, qu'on arrive à poursuivre, malgré des fois on se dit qu'il est peut-être temps d'arrêter, mais on a quand même des personnes qui nous rencontrent et qui nous disent que c'est bien, donc on continue. Donc Miguel, tu ne t'es pas encore exprimé. Oui. Tu as vu que c'était un peu... Hein. Je prenais plaisir à écouter. Donc voilà. Donc ton avis sur la question, il y a des mariages qui durent un an. Pourtant, les gens se connaissent des fois depuis très longtemps, ont déjà vécu ensemble, se connaissent déjà entièrement, pleinement. Ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire, donc ils peuvent se dire qu'ils n'ont plus de secret l'un pour l'autre. Et pourtant, le mariage ne tient pas. Pourquoi, à ton avis? Mais il faut savoir que, comme on le dit, le mariage, normalement, c'est un projet que Dieu a institué pour l'homme. Mais c'est pour atteindre un objectif. Mais pour atteindre un objectif, il faut savoir que nous vivons sur cette terre ici-bas qui a beaucoup de tentations, d'épreuves. D'épreuves aussi. Et nous sortons tous de divers traumatismes par mode de connaissance que nous avons été aussi aventuristes dans certains domaines de nos vies. Donc il y a eu des blessures profondes. Mais pour pouvoir entrer dans le mariage, il faut là que cette question de toutes ces blessures, tous ces dysfonctionnements, tous nos caractères, nos attitudes, qu'il y ait déjà d'abord une restauration dans cela. Parce qu'on peut entrer dans le mariage avec tous les enseignements qu'on a, mais est-ce que nous sommes déjà guéris dans certains endroits, domaines de nos vies? Est-ce que nous avons été affranchis de certaines forteresses de raisonnement que nous avons eues, de certains critères, certaines façons de voir les choses, à ne pas en tenir compte de l'autre qui est en face de nous, à vouloir imposer une façon de voir? Donc il y a tout une restauration qui doit provenir par cette parole qui nous dit d'abord, si tu médites nuit et jour ce livre afin d'agir fidèlement de tout ce qui est prescrit, c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu vas entreprendre. Donc Dieu est là pour nous conseiller.
Dieu ne nous a pas donné une institution sans qu'il ne soit pas là pour nous soutenir et nous guider et nous diriger vers un but afin de nous donner un avenir dans ce qu'on est en train d'entreprendre. Donc, dès lors que nous mettons nos pensées en avant et d'établir notre propre justice, nous voyons les dégâts que ça cause. Parce que celui qui est en face de nous, il est peut-être faible dans un domaine et que nous n'y prenons pas garde de là où il est sorti, d'encore son instabilité dans un domaine, certaines faiblesses, mais certains traits de caractère qui n'arrivent pas encore à se maîtriser, à se contrôler. Donc, nous qui sommes là, il faudra d'abord que nous-mêmes nous soyons éclairés pour pouvoir aussi savoir comment venir en aide de celui qui est plus faible. Parce que nous savons, dans le mariage, nous avons tous des faiblesses. Nous avons tous le cœur soit blessé, contrit, humilié. Donc, il y a une manière de pouvoir appréhender les difficultés, les épreuves auxquelles nous serons confrontés. Comment gérer une différence de caractère, d'attitude, de façon de penser? Parce que même si deux personnes ne forment plus qu'un, n'empêche que c'est deux personnes qui vont penser différemment sur certains sujets, qui vont agir différemment face à certaines épreuves. Par exemple, une perte d'emploi ou bien l'autre sera beaucoup plus fragile. Voilà, donc il y a des choses, effectivement, même si on ne fait plus qu'un, mais n'empêche qu'on a quand même deux caractères différents, deux points de vue différents, deux manières différentes de faire face aux choses de la vie. Comment deux personnes différentes font pour avancer d'un seul pas? Alors, je reviens. Dieu ne nous avait jamais dit qu'il n'y aurait pas d'épreuves, hein, qu'il n'y aurait pas de difficultés. Mais qu'est-ce qu'il dit dans sa parole? Il nous explique les priorités qu'on doit avoir pour confronter toutes ces épreuves, c'est les fondements de valeurs que Dieu nous donne dans des principes. Par exemple, il y a un perte d'emploi. D'accord, tu as perdu l'emploi. Mais qui ne fait pas dire que toi, l'emploi que tu avais là, c'est toute ta vie. D'abord, les priorités, c'est ton butin, c'est ta vie. L'emploi sera là, tu vas trouver notre emploi. Mais si toi, le moins de choses qui t'arrivent, tu te laisses déjà avoir par l'esprit d'abattement, qui n'est pas un bon fondement pour les choses encore qui vont venir, puisque la perte de l'emploi n'est pas l'unique épreuve qui va survenir. Donc, il va falloir avoir les bons outils pour pouvoir affronter les choses qui viennent. Il y a aussi celui qui est à côté de toi, qui est le conjoint, il a sa part d'aide à faire aussi, d'encourager l'autre. Oui. Maintenant, ça va y aller. On va prospecter. Ne te laisse pas avoir par le stress. Nous faisons un. Donc, il y a l'effort de l'autre à vouloir aider l'autre à se relever. C'est pourquoi la parole dit, Dieu vaut mieux qu'un. S'il le tombe, l'autre est là pour le tendre la perche, pour l'aider à se relever, à sortir de cette goutte de désespoir si souvent que nous nous enfermons quand tout va mal. Il y a aussi les frustrations. Donc il y a tout ce travail. Oui, voilà. Pour compléter ce qu'il était en train de dire, en fait, il faut vraiment réaliser que lorsqu'on rentre dans le mariage, on est dans un état, mais on ne doit pas nourrir la pensée de rester dans le même état. Que ça soit le mari ou la femme, il est appelé, elle est appelée à changer. Et il faut déjà premièrement ouvrir son esprit, parce que lorsqu'on se marie, c'est pour faire la place à l'autre. Donc il faut une ouverture d'esprit et il faut maintenant pouvoir être capable soi-même de changer de caractère, changer ce qu'on appelle le paradigme, ça veut dire la façon dont on raisonne, la façon dont on agit, et tout cela doit être nourri par la parole de Dieu, parce que humainement parlant, nous ne pouvons pas changer. Personne ne peut changer, ni même un mari ne peut changer sa femme, ni même une femme ne peut changer son mari. Vous aurez beau avoir toute la foi du monde en vous disant que je vais le changer, ça ne se passe pas comme ça. C'est vraiment par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Dieu, parce que lui, le Seigneur, a la capacité de rentrer dans le cœur de l'homme. C'est quand il fait alliance dans nos cœurs que nous pouvons changer et évoluer. Nous réalisons que qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place devant cette situation? Est-ce que Jésus aurait marché dans la douceur? Est-ce qu'il aurait parlé? Il y a quand même une déviation quand même de la parole de Dieu, non. Parce que comme on dit que, en fait, de certaines personnes, après, comme on dit, on reste tous des humains, il y a quand même une certaine déviation de certaines paroles comme « Femme, soyez soumise à vos maris ». Ah oui, oui, oui. Qu'est-ce que ça veut dire?
Qu'est-ce que ça veut dire? Déviation dans quel sens? On a eu l'occasion de faire une émission. Est-ce que cette parole-là, est-ce qu'on l'interprète mal? Voilà, Oui. Bon, beaucoup de gens, beaucoup de maris, lorsqu'ils voient que la femme, bon, parle d'une certaine manière, ils sortent ce verset-là. Certaines féministes ont du mal avec ce passage. Oui, absolument, absolument. Alors, il faut déjà comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Que la femme se soumette, c'est déjà comprendre que dans le mariage, il y a des principes. Ça veut dire que si vous ne fonctionnez pas selon le principe du mariage, parce que le mariage, on l'a dit, c'est une institution divine, si on ne marche pas selon le principe que Dieu a établi, le mariage ne fonctionnera pas. Parce que la femme veut prendre la place, veut prendre la décision, c'est elle qui veut tout porter. Donc à un moment donné, elle va s'écrouler parce qu'elle n'a pas été faite pour ça. Et en même temps, l'homme aussi doit se fortifier pour être le chef parce que c'est ce que Dieu dit, il est le responsable. Or parfois, on voit des hommes qui ont du mal à prendre la décision. La femme lui dit « Mais qu'est-ce que tu veux faire ?» Et il ne répond pas, il est toujours dans un silence, toujours voilà. Donc il y a les deux choses à bien balancer. L'homme doit être dans sa responsabilité, la femme doit être active mais dans une soumission. Et quelle est cette soumission? Cette soumission ne signifie pas que l'homme va marcher sur elle comme une serpillière. C'est pas du tout ce que la parole de Dieu dit. Femmes, soyez soumises à vos maris, ça veut dire d'avoir une attitude de s'adapter. Le mot soumission est là, c'est un mot qui veut dire s'adapter. N'oublions pas qu'on est dans une traduction. Et cela veut dire s'adapter à son mari. Donc on ne cherche pas à se confronter avec lui. On ne cherche pas à passer en force devant lui. On conseille son mari, on l'écoute, on conseille, on le laisse avoir le dernier mot. On ne cherche pas à avoir le dernier mot comme si on est devenu une femme qui s'est dénaturée pour être comme un homme. Non, parce que l'homme a un rôle, la femme a un rôle, chacun a un rôle. Oui, il faut réaliser que chacun a un rôle. Chacun a un rôle, chacun a la même valeur, mais chacun a un rôle. Oui, mais c'est ça le problème de l'échec d'aujourd'hui. C'est ça le problème de l'échec d'aujourd'hui. C'est qu'on ne comprend pas ces choses-là. Bonsoir. On confond valeur et rôle. Bonsoir. Oui, alors bonsoir. 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 Par contre, juste, oui, que l'intervention ne doit pas être trop longue, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Ah. Allez-y, on vous écoute. Bonsoir. Bonsoir. Oui, je voulais intervenir, c'est juste pour dire que le mariage, en principe, devait être basé sur l'amour. Quand il y a l'amour et que le mariage est basé sur l'amour, ça ne peut pas partir de travers. Quand vous regardez en 1 Corinthiens chapitre 13, donc vous avez en Corinthiens 13, hein, le verset 8, ça vous dit que l'amour ne périt jamais. Donc si le mariage est basé sur l'amour, donc le mariage ne peut pas périr. Donc on vous dit que l'amour est patient. Si nous avons la patience, on peut écouter l'autre, on peut faire des arrangements, on peut comprendre l'autre. L'amour est plein de bonté. Quand la méchanceté rentre, quand le divorce rentre, ce n'est plus l'amour, parce que l'amour est plein de bonté. Uh-huh. L'amour n'est point envieux, donc on ne peut pas être envieux envers autre chose ou quelqu'un d'autre si on a l'amour dans nos cœurs. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Donc, je crois que c'est cette partie-là, l'orgueil, qui tue le mariage. Il y a des parents qui rentrent en jeu, il y a des disputes. Et quand toutes ces choses-là commencent à préparer cette bombe, cette explosion, donc nous voyons l'arrivée de séparation, de misère, parce que les enfants, s'il y en a, sont coupés par aussi, sont compris pas coupés par là. L'envie, quand on a l'amour, on ne peut pas penser d'abord au matériel, parce que comme Géraldine disait tout à l'heure là, si un conjoint ne travaille pas, mais l'amour supporte tout. Si le conjoint ne travaille pas, c'est pas sa faute s'il ne travaille pas. Donc c'est à l'autre qui doit faire l'effort de le conforter, de prendre en charge certaines choses et que la vie continue. Bon, on dit que l'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. Donc, s'il y a un petit faille, une petite baisse de finance dans le foyer, donc si l'amour ne cherche pas son intérêt, ça ne peut pas jouer. L'amour ne s'irrite point.
L'amour ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, parce que nous ne sommes pas des êtres parfaits. Il y a des moments que quelqu'un peut faire quelque chose, mais on peut être quand même assez humble pour dire, bon, ben, excusez-moi, j'ai fait ça, je sais, je reconnais que j'ai tort, et bon, c'est l'autre partie qui doit reconnaître quand même et pardonner cette faute. L'amour voit tout. L'amour espère tout. Et l'amour supporte tout. Donc, quand c'est la Bible qui nous dit, si nous basons, si la base du mariage est l'amour, mais comment nous pouvons faire cet écart? Donc, nous regardons maintenant que l'homme, la plupart des temps, quand la femme était jeune, était belle, bon, ben, ouh, c'est mon âme, c'est ça. Bon, quand elle a des enfants, le corps change, et que la femme peut-être elle grossit ou elle maigrit, mais quand même, avec l'âge, tous les années, nous avons quand même des petites rides, c'est pas le même comportement, c'est pas tout. Mais pourquoi rejeter pour avoir quelque chose de neuf? Comme disaient les anciens, tout ça qui neuf qu'a vienne vieille, et tout ça qui belle qu'a vienne laide, tout ça qui a traîné, qui a sali. Donc, il faut voir quand même que baser le mariage sur cette estrade de l'amour, s'il y a de l'amour, je crois que ça peut durer. Parce que l'amour ne périt pas. Quand on aime jusqu'à la fin. Et si on aime jusqu'à la fin, on tolère. Et tout ce qui vient avec. Je vous remercie. Merci à vous. Merci beaucoup de votre intervention. C'est de très beaux messages. Nous allons prendre le dernier appel parce que malheureusement, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Donc, si nous avons quelqu'un en ligne, ça sera le dernier appel, malheureusement. Il ne faudrait pas que la personne soit trop longue. Bonsoir. Voilà. Donc, ben non, il n'y a personne. Vous voulez réagir? Oui, je voulais réagir sur ce que la personne a dit. Oui, effectivement, c'est très important. On y revient toujours. C'est les principes... Tout est écrit, en fait. Hein. Tout est écrit. Ce sont les principes de la parole de Dieu. Maintenant, dans la réalité du quotidien de chacun, les gens confondent beaucoup de notions parce que c'est toujours le manque de connaissances. Donc, quand les gens se disent, voilà, j'aime... Mais pour l'amour, on voit tellement de choses qui peuvent se passer. Hein. On voit même ici à la Martinique beaucoup de gens qui peuvent partir dans des jalousies meurtrières par amour. Parce qu'ils pensent qu'ils aiment ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu dont a parlé la dame a raison dans son intervention, elle parle véritablement de l'amour selon Dieu. D'un amour qui est une abnégation aussi, où on accepte véritablement beaucoup de choses, on passe sur l'offense, on change de caractère, on s'adoucit, on ne réagit plus à chaque chose qui se présente, on accepte de ne plus être ni agressif, ni en colère, ni frustré, pour pouvoir maintenant apporter à l'autre véritablement tout le meilleur. Et ça, c'est vraiment la dimension de l'amour selon Dieu qui est vraiment un amour positif, un amour qui construit, pas un amour qui détruit. Et c'est ça le sens du mariage selon Dieu. C'est cet amour-là qui construit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, tout un chacun qui veut rentrer dans cette dimension du mariage, premièrement, doit savoir que ça existe, parce que beaucoup de gens n'y croient plus. Ça existe encore, pourvu que l'on soit dans le bon choix, premièrement, on choisit, on ne rentre pas dans le mariage à la va-vite comme ça, n'importe comment, ni par la fenêtre, hein, quand je parlais tout à l'heure des rapports, n'importe comment, on ne rentre pas par la fenêtre, on rentre par la porte, c'est-à-dire l'engagement. Et cela, ben, c'est une décision mûre que l'on prend, une décision aussi d'amour, c'est vrai, on ressent de l'amour pour l'autre, mais aussi on réalise tout ce que cela va impliquer et on s'engage avec la foi et avec Dieu, parce qu'avec Dieu... C'est vrai que la corde à trois fils ne seront pas facilement. Juste une chose, enfin. C'est vrai qu'on a essentiellement abordé cette thématique, cette problématique, sous l'angle religieux, de la religion. Sous l'angle de la foi. Après, il y a aussi l'aspect sociologique. Oui. Le mariage, cette union, est-il uniquement une union religieuse? Une union devant Dieu, c'est pas seulement ça. Après, la manière dont vous présentez les choses, vous aussi, hein, moi je suis chrétien, mais là c'est le profane qui s'exprime. Je dirais que deux personnes s'unissent devant Dieu, certes,
Mais avant tout, il y a, nous sommes des personnes, nous sommes des individus. Est-ce qu'il faut tout réduire à la croyance religieuse ou à la pratique religieuse? Je ne pense pas. Alors, j'aimerais juste... C'est-à-dire que c'est important, c'est capital. Important, mais j'aimerais juste vous répondre en revenant sur ce que je vous ai dit à la base. C'est-à-dire que les droits des nations se sont constitués sur la base de ce que la Bible dit. C'est-à-dire qu'au départ, vous voyez, le mariage a été institué dans les siècles. Ce n'est pas quelque chose qui était là au départ, mais le mariage a été institué dans les siècles dans le droit. Donc aujourd'hui, le mariage civil existe, mais il a une inspiration. C'est le mariage religieux qui en est l'inspiration. Ça, il faut le savoir. Dans le mariage civil, il y a des obligations de l'époux et de l'épouse qui sont inspirées de la Bible elle-même. Donc, quand quelqu'un aujourd'hui se marie même civilement, sans passer devant le prêtre, sans passer, il est en train de rentrer dans l'institution du mariage. Mais je le rappelle, et c'est très important que tout le monde le comprenne, qu'il soit croyant ou non du point de vue de Dieu, hein, du point de vue de Dieu, la personne est mariée. En fait, ce que je veux dire, c'est que même si deux personnes sont mariées, même si elles cheminent, hein, elles sont pratiquantes, tout simplement, il faut que nous soyons, on est ensemble, mais qu'on se respecte l'un et l'autre, tout simplement. Que l'on prenne conscience. Qu'on n'a pas besoin de se marier pour ça. Mais que l'on prenne conscience que l'on on est marié, on est ensemble, ben que les comportements doivent changer, les habitudes doivent changer. Et aujourd'hui, pourquoi ça ne marche pas non plus? C'est parce que tout simplement, nous sommes mariés, certes, mais je veux continuer à sortir avec mes copines. Je veux continuer à aller boire des bières avec mes copains et rentrer le vendredi soir, rentrer le samedi à 6 heures du matin. Ça veut dire que... Non, mais sur quelle base on se marie, sur quelle base en fait? C'est ça la question, non, parce qu'en fait, même quand vous êtes en train de dire ça, sur quelle base on se marie? Mais on peut se marier sur la base du respect aussi, respect mutuel. Ben oui, beaucoup de gens le font, essayent de le faire, même certains, ils essayent de le faire parce ils peuvent. Parce que nous sommes quand même conscients que beaucoup de personnes décident de se marier, ont la volonté, hein, ont la volonté de mettre Dieu dans leur couple, dans leur vie, et pourtant ça ne marche pas. Ça, c'est, oui, ouais. Il faut être Est-ce à travers tout ça, la crainte installe en chacun de nous? Est-ce que nous sommes prêts à faire plier notre volonté à la volonté du Seigneur? Est-ce que nous sommes prêts maintenant à bannir de nos vies le choix de vivre égoïsement? Parce qu'on peut être marié. Donc il y a quelque chose que faut pas oublier, que quand Dieu nous donne des commandements, il est capable aussi de nous donner la capacité d'accomplir sa volonté. Parce que ici, de par nos propres forces charnelles, il y a beaucoup de choses que nous ne sommes pas en aptitude de faire. C'est par l'Esprit de Dieu d'aide. Qu'on peut le faire, oui. On a besoin d'aide. Uh-huh. C'est pourquoi il dit dans sa parole, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous aurai le Saint-Esprit qui vous révélera toutes choses de moi, qui nous rendra capables et prompts à lui obéir. Parce que nous sommes nés dans la désobéissance. Donc, l'obéissance doit s'apprendre. Donc, il y a l'œuvre de l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, l'Esprit du Saint-Esprit qui va accomplir une œuvre rédemptrice en dedans de chacun de nous. Parce que le limon est nous, l'attitude nous, comportement nous, c'est souvent des liens générationnels qui forment des moments, qui ça crée des heurts dans le ah ouais, c'est caractère moins. Oh, on a tendance à faire passer. C'est ce qu'on s'en voyait. Et c'est pour aller plus loin. À la quoi? On ne pourra pas aller plus loin. À la quoi? Cette loi de malédiction, Christ l'a clouée à la quoi? Donc nous sommes capables d'obtenir le succès. Nous sommes capables de recevoir la guérison de celui qui a cloué là-haut pour nous, de nous guérir de nos blessures. Si on l'accepte. Si on l'accepte. Toujours le signe conditionnel. Mais maintenant, c'est vrai. On est à la fin de l'émission. Bon, donc allez-y. Je veux simplement dire, c'est vrai qu'il y a des gens qui ne sont pas croyants et qui se marient en espérant, humainement parlant, tenir leur mariage. Bon, tout à l'heure, on a eu le témoignage de cette dame. Elle dit, elle est catholique, elle a mis les principes de la parole, de ce qui lui a été dit, en œuvre, et elle est restée mariée. Bon, d'autres vont essayer de faire avec ce qu'ils peuvent. Mais quand on fait avec ce qu'ils peuvent, on sait aussi toutes les difficultés réelles que l'on peut traverser. Parfois,
on reste là parce qu'on s'est tenu, on est fidèle à son engagement, on se dit voilà, j'ai accepté de me marier, je vais jusqu'au bout, mais c'est vraiment dans les blessures et dans la douleur. Mmh. Donc c'est pour ça que nous qui sommes là, on veut vraiment dire à tout un chacun que Dieu est vraiment le repère pour le mariage parce que c'est lui qui en est l'auteur. D'accord. Si vous aviez, juste pour un dernier mot de la fin, si vous aviez un message à faire passer aux couples en péril en ce moment, quel serait ce message? Ben, les couples en péril, vraiment, je leur dis qu'il y a de l'espoir. Hein. Ce n'est pas parce que vous êtes en train de traverser une épreuve que vous ne pouvez pas aller de l'autre côté. Hein. Un jour, Jésus était sur le bateau avec ses disciples, c'était la tempête et tout le monde pensait que c'était la fin. Mais le Seigneur a dit, ne vous ai-je pas dit, allons de l'autre bord. Donc le Seigneur est capable de nous faire traverser des difficultés, il est capable de nous faire passer des moments même très difficiles. Ne désespérez pas, mais surtout accrochez-vous au principe. Soyez patient, mettez la parole de Dieu en pratique, l'un vis-à-vis de l'autre, et vous allez voir que la crise va passer. Mmh. Olivier, j'ai vu que tu as réagi sur beaucoup de points. Ben, écoute, moi, au final, moi, je dis, j'interviens en tant que profane, hein, et pas en tant qu'averti. Mais enfin, je dirais que, ben, en parlant de principe, il y a des principes de base dans un couple. La discussion, la compréhension, le dialogue, la communication, et puis la compréhension de l'autre, l'acceptation de l'autre, de son caractère, de qui elle est. Il faut que... Accepter que l'autre change physiquement. Que l'autre aussi. Change, oui, tout ça. Après, c'est vrai que mettre Dieu dans sa vie, c'est clair. Mais j'ai envie de dire qu'il n'y a pas que ça. Il y a Dieu, oui, c'est la base. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. On n'a pas dit qu'il n'y a que ça, mais on a dit que c'est un fondement essentiel. Mais soyez ouverts à tout, à la discussion, au dialogue, aux échanges. Vous savez, moi, je suis mariée depuis 16 ans. D'accord. Donc, moi, j'aimerais vous dire que le dialogue, etc., tout ça, je sais de quoi il s'agit. Mais si vous n'avez pas changé, si vous avez en face de vous quelqu'un de frustré, de colérique, le dialogue, vous pouvez l'avoir comme principe dans votre tête, ça ne se manifestera jamais. Parce que vous ne pouvez pas dialoguer tout seul. Donc, il faut véritablement une régénération. Chacun doit être régénéré. Et ça, c'est avec Dieu. Parce que vous ne verrez jamais quelqu'un qui peut changer l'autre. Mot de la fin, Miguel. On est déjà à la fin, oui. Eh bien, pour encourager tous ceux qui passent par des épreuves là, que Dieu est capable de changer un cœur dur, un cœur de pierre, un cœur de chair, mettre son esprit et faire sa volonté. Il l'a fait pour Saul de Tarse, qui était dur et qui était vraiment... Il respirait le sang. Ça veut dire que tu peux avoir ta femme, qui a un trait de caractère inébranlable. Vous avez toute qualité, toute stratégie, ou pas qu'arriver. Tu invoques moi au jour de la détresse, je te souviens de cette situation. Il est capable. Parce que l'homme, nous sommes limités. Prochaine manifestation, 19 juin. 19 juin, on invite tout le monde à Saint-Pierre. On invite tout le monde, venez nombreux et on aura l'occasion de montrer, de vivre la régénération avec le Seigneur. D'accord. Voilà. Merci d'avoir suivi l'émission. Merci à l'équipe technique. Merci à vous, téléspectateurs, ainsi qu'aux nombreuses personnes qui répondent au micro-trottoir. Et surtout, le 49-3 ne s'applique pas au mariage. Allez, à bientôt.